Bonjour à tous, c'est Doc McCoy et aujourd'hui je vais vous présenter un classique, un must du jeu vidéo, le très connu Tetris, édité par Nintendo, développé par Bulletproof Software. Donc là on va tester la version Game Boy qui est sortie en 1989 et qui était distribuée en bundle avec la console. C'est le premier jeu Game Boy tout court déjà et c'est le premier à utiliser la fonction multijoueur, donc ça j'y reviendrai après. Tetris, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le puzzle game le plus joué, le plus connu et sûrement le plus imité. À cette époque, beaucoup de concepts de base du jeu vidéo tel qu'on le connaît ont vu le jour. Tetris fait partie des concepts de jeu les plus novateurs et à la fois les plus simples. Alors, impossible de parler de Tetris sans évoquer le nom d'un homme, Alexei Pajitnov. Donc en 1984, ce chercheur russe à l'Académie des sciences soviétiques décide de programmer un jeu vidéo. On connaît tous la suite de l'histoire, le jeu est exporté à l'Ouest en 1986 et fait un carton monumental. Alors à cette époque, la Russie c'était encore l'URSS et donc Pajitnov n'a perçu aucune royalties sur les ventes de Tetris pendant 10 ans. Par la suite, il a récupéré les droits, donc en 1996, il a créé la Tetris Company et on espère pour lui qu'il a pu profiter un petit peu des revenus colossaux qu'a généré ce jeu, cette licence, dans le monde entier. Ce qu'on sait moins, c'est que ce Tetris, le concept de base de Tetris, a été adapté par Pajitnov à partir d'un jeu existant. C'est un jeu de société qui s'appelle Pantomino, qui est un jeu sur lequel on a un plateau de 64 cases, donc 8 par 8. Le principe du jeu, on a des formes géométriques composées de plusieurs carrés, donc un petit peu comme dans Tetris, des L, des carrés, des S, etc. On doit les placer chacun son tour sur la grille du jeu, et le premier qui remplit la grille a gagné. Donc c'est un jeu que, pour vous donner une idée, c'est pas quelque chose d'inconnu. Moi je connaissais une variante de ce jeu en jeu société auquel je jouais quand j'étais petit, et chaque joueur en fait devait entourer avec ses propres pièces les pièces de l'adversaire, un petit peu à la manière d'un réversi. Et une fois que c'était fait, on pouvait retourner les pièces de l'adversaire pour les mettre à sa couleur. Il y avait une couleur de chaque côté. Bon, ça se jouait évidemment qu'à deux. Donc, on imagine bien qu'au départ, Alexei Pajitnov a simplement voulu adapter ce jeu de société Pantomino en jeu vidéo, comme on le ferait à la manière d'un Tetris, comme on le ferait à la manière d'un Monopoly ou d'un Scrabble. Donc, vous voyez Monopoly sur NES, c'est le jeu de plateau, mais vraiment adapté en jeu vidéo. On voit le plateau, on voit les pions, on voit les cartes. Ça ressemble énormément, mais il n'y a aucun avantage à y jouer en jeu vidéo par rapport à la version plateau, si ce n'est l'encombrement. La grande innovation de Pajitnov, c'est venue de l'idée de faire disparaître les lignes pour gagner des points. Il a également décidé de limiter le nombre de carrés composant les pièces. Et à partir de là, on a obtenu donc des pièces qui ne faisaient que 4 carrés. Et donc, ça fait 7 combinaisons différentes. Vous pouvez essayer tant que vous voulez. Quand on prend 4 carrés qui doivent avoir des côtés adjacents, on obtient 7 combinaisons différentes. Ces deux choix
ont été prédominants pour donner le concept de Tetris tel qu'on le connaît aujourd'hui. D'ailleurs, le nom Tetris lui-même, ça c'est pas une surprise, hein, vient du grec tétra, qui veut dire 4. Donc le nom du jeu veut dire 4, et c'est également le nombre de pièces, le nombre de carrés composant une pièce, et ça désigne la figure qui permet de faire le plus de points, c'est-à-dire 4 lignes simultanément, figure qu'on ne peut réaliser qu'à l'aide d'une barre verticale, qui est également une combinaison de 4 carrés. Alors, je vais commencer parce que ça fait un petit moment que je vous balance l'intro. Et là, on arrive sur un must de cette version de Tetris. Je vous laisse écouter, c'est la musique de ce Tetris unique. Il y a eu beaucoup de musiques, hein, différentes, dérivées de différents thèmes de la musique russe. Mais là, sur celui-là, rien qu'on pense à ça, on pense tout de suite au Tetris Game Boy. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça évoque énormément de souvenirs. Donc rapidement, hein, il y a deux types de jeux, le type A, le type B. Le type A, c'est simple, il n'y a rien à l'écran au départ, on choisit juste le niveau de départ et donc la vitesse du jeu, et on fait descendre les pièces. Le type B, on peut choisir un niveau de hauteur où on aura déjà des blocs présents sur le tableau et qu'il faudra faire disparaître. Je vais laisser en type A, je vais laisser la musique A évidemment, hein, et on va partir du niveau 2, tiens. Donc très simple au niveau du gameplay, extrêmement simple. On bouge avec les flèches, on bouge la pièce avec les flèches et on a une touche pour faire tourner la pièce. Bon, alors, on ne verra pas, c'est un carré. On a une touche ici pour faire tourner la pièce dans un sens et une dans un autre. Donc plus on choisit un niveau élevé, plus le jeu va vite. Je vois pas pourquoi je vous explique le gameplay du jeu d'ailleurs, vous le connaissez tous, mais bon, ce ne serait pas un test si je ne faisais pas ça. Donc on rentre dans la phase pure test, allez, on va dire. Mais bon, je pense que j'ai pas grand-chose à vous apprendre sur Tetris, vous connaissez tous Tetris. Donc là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi dès le départ. Majoritairement dans ce jeu, le Tetris, c'est la forme qui rapporte le plus de points. Donc majoritairement, on va essayer d'empiler les blocs en laissant toujours une colonne vide, de manière à pouvoir y glisser des barres verticales. On va le faire à partir d'ici. En général, c'est comme ça qu'on joue. Ah, n'importe quoi aussi. En général, c'est comme ça qu'on joue. Et c'est aussi à cause de ça qu'on va perdre. Parce que tout simplement, les barres sont les pièces qui viennent le moins souvent. Voilà, là je peux faire un Tetris. Attention! Tetris! Donc les barres sont les pièces les plus rares. Et souvent on va mourir, ben, soit on va avoir une pièce impossible à caser, on va être obligé de boucher le trou qu'on a fait, petit peu comme ici. Et du coup, ça va nous embrouiller pour la suite. Soit on va trop attendre, on va attendre trop longtemps. Et une fois arrivé en haut, ben, on n'aura plus la place de tourner la barre, qui n'arrivera pas de toute façon. Parce que les barres sont, vous voyez, hein, beaucoup plus rares que les autres pièces. Hop, allez, là, ça va rien faire du tout. Je vais faire péniblement une ligne. Donc là, j'ai plutôt intérêt à faire ça pour me dégager. Là, je vais faire trois lignes, malheureusement. Donc là, je suis au level 2. Je suis toujours au level 2 tant que j'ai pas fait 30 lignes. Quand j'ai fait 30 lignes, je passerai au niveau 3, 40 au niveau 4, et ainsi de suite. Et plus, quand je passe un level, la vitesse du jeu augmente. Donc on peut choisir son level de 1 à 9, de 0 à 9. Et quand on passe le niveau 9, on arrive au niveau 10. Bon, jusque-là, je vous ai rien appris. Mais il faut savoir que ça, je crois que ça monte jusque 19. Et de toute façon, après, ça devient carrément injouable, tellement c'est rapide. Déjà, au niveau 9, c'est jouable, mais c'est dur. J'espère qu'il n'y a pas de PGM de Tetris dans l'assistance, parce que vous allez vous foutre de moi. Mais voilà, j'assume ce que je dis. Tetris
devient dur à partir du niveau 9. Voilà. Alors pourquoi j'ai décidé de vous tester la version Game Boy? Pourquoi pas la version NES, qui est celle que j'ai connue en premier? J'ai d'abord eu la version NES avant d'avoir la version Game Boy. Pourquoi pas la version Tetris 3 sur Super NES, qui apporte, comme beaucoup de Tetris de cette époque, apporte des nouveaux modes de jeu? Bah, tout simplement parce que je pense que cette version Game Boy, déjà moi c'est ma préférée, en partie à cause de la musique, mais pas seulement, c'est ma préférée parce que je pense que c'est la plus populaire. Tout le monde y a joué à cette version. Tout le monde y a joué parce que déjà, bah, le jeu était fourni avec le Game Boy, donc quand on achetait la console, on avait forcément ce jeu. C'est le premier jeu auquel tout le monde a joué sur le Game Boy. Ensuite, c'est le premier jeu, je l'ai dit, à exploiter la fonction multijoueur. C'est même, j'ai envie de dire, c'est pas un des seuls, mais c'est le jeu le plus joué en multijoueur sur le Game Boy. Pourquoi ça? Bah, tout simplement, faut savoir que pour ceux qui n'ont pas connu, le Game Boy en multijoueur, c'était quand même assez contraignant. Il fallait avoir deux Game Boy, deux cartouches et le câble Link qui était vendu avec la console. Donc, pour jouer à un jeu autre que Tetris en multijoueur, bah, il fallait convaincre vos parents de vous acheter le jeu que votre copain Kevin avait déjà pour pouvoir y jouer à deux. Et au prix des jeux, bah, c'était pas toujours gagné. Par contre, ce Tetris, tout le monde l'avait. Donc, si on voulait jouer à plusieurs sur Game Boy, on pensait immédiatement à celui-là. Puis ça permettait. C'est vraiment le. Pourquoi j'aime ce Tetris? Parce que c'est le Tetris auquel on a joué partout. On l'a emmené partout, ce Tetris. On y a joué partout, dans les transports en commun, à l'école, dans la cour de récré, partout. Donc vraiment. C'est celui-là que je voulais vous tester, celui-là que je voulais vous montrer, plutôt qu'un autre. J'aurais pu aussi faire une rétrospective des différents Tetris, mais il y en a tellement, il y en a que je connais pas, hein. On parle beaucoup du Tetris Attack. Moi je le connais pas celui-là, j'y ai jamais joué, d'ailleurs il faudrait que je m'y mette, voir ce que c'est un petit peu, parce qu'on en parle beaucoup. Mais je crois que c'est sur Super NES, mais je le connais pas celui-là par exemple. Donc j'allais pas vous parler d'un jeu que je connais pas. Parce que c'est vrai que parmi les nouveaux Tetris, entre guillemets, les Tetris qui sont sortis dans les années 90, il y a eu beaucoup de variantes de jeux, je vous en parlais, sur le Tetris 3 par exemple, les modes de Sparklis, Magicalis, qui étaient assez innovants, même si on déviait un petit peu du concept de base, bon bah c'était toujours intéressant. Et là je suis déjà au level 7, on parle, je suis déjà au level 7, ça commence à aller un peu vite. Mais bon, j'ai dégommé pas mal de lignes, donc ça se passe bien. Alors, je vais pas. Ce sera pas un très très long test, hein, je vais vous dire tout de suite. Est-ce que Tetris est un bon jeu? Ben, je vais pas vous dire non. Je vais même pas donner d'avis parce que concrètement c'est un must, c'est un classique. C'est comme si vous me demandiez si Mario est un bon jeu. Alors on peut critiquer, il y a des Mario qui sont sortis après qui sont critiquables, mais on peut comparer les Mario entre eux, on peut comparer les Tetris entre eux, mais concrètement. Tetris, évidemment, dans la version la plus simple, que ce soit cette version Game Boy ou la version NES, évidemment, c'est un bon jeu. Je ne pourrais pas me dire assez prétentieux pour vous donner une note ou pour dire s'il est bien ou pas. C'est, voilà, c'est Tetris, tu peux pas. On peut ne pas aimer les puzzle games, mais si on aime les puzzle games, si on aime les jeux vidéo en général, on aime Tetris. Voilà. En gros, ce que j'avais à vous dire sur ce Tetris. Hop, on va continuer un petit peu jusqu'à ce que j'ai encore des petites choses à dire. Jusqu'à ce que je perde, ça ne devrait pas tarder. Bon, là, je joue plutôt pas trop mal. Mais ça ne devrait pas tarder à me vautrer. Hop. Vous voyez là, j'applique la technique habituelle. Je laisse une colonne. Alors, on la laisse où on veut, ça change rien. Hein. Je laisse une colonne vide et je balance les barres quand elles arrivent. Sauf que voilà, là je suis au niveau 9, ça commence. Là je touche pas là. Vous voyez comment ça descend beaucoup plus vite qu'au début. J'ai commencé au niveau 2 parce que je voulais pas vous imposer le niveau 0 qui est lentissime. Et là, voilà. Typique, je me décoince, mais j'étais coincé. Hop. Voilà.
débrouille pas trop mal. Je suis assez content. En même temps, Tetris, on peut pas dire je suis bon ou je suis pas bon à Tetris. Pourquoi? Parce que c'est un concept de jeu tellement simple. C'est juste du réflexe. C'est bête, basiquement du réflexe. Voilà. Y a rien à savoir, il n'y a pas à apprendre par cœur, il n'y a pas d'ordre imposé, les pièces arrivent de manière aléatoire. Ah, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, ça. Dans le coin inférieur droit, vous avez la prochaine pièce qui arrive. Oula, je dis des conneries. Et je fais des conneries aussi. Ah, ça va vite là. Hop là, non, voilà. Perdu. Voilà, on dit bravo, j'ai perdu. Niveau 10. Vous avez dit, ça commence à être dur à partir du niveau 9. Hein. Donc, ce jeu n'a quasiment pas de fin. Je vous l'ai dit, arrive au niveau 19, c'est injouable, mais théoriquement, il n'y a pas de fin. Et donc, une fois qu'on a gagné, on peut inscrire son score. Donc, ça, c'est quelque chose qui est présent dans beaucoup de jeux d'arcade. Alors, le seul problème, c'est que le Game Boy, une fois qu'on coupe le Game Boy, on relance le jeu, le score, il a disparu. Ça, c'était le problème dans beaucoup de jeux de l'époque, sur NES ou sur Game Boy. Voilà, magnifique. Voilà, il manque des lettres, il y a même pas assez de place pour marquer Doc McCoy. Là, je vais essayer de revenir en arrière, un peu pas. Alors, une petite astuce. Non. Voilà, on appuie sur les quatre boutons en même temps, on reset le Game Boy. Je voulais vous montrer le B-mode. Comment on fait? Il est où mon select? Ah, oh, bah zut. Zut flûte. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, hop, un niveau 2, Doc McCoy. Très bien. Et là, si je relève... Ah, voilà, bon, d'accord. Ok, là, j'ai fait reset. Ça l'a pas fait. Pourquoi? Parce que je suis sur émulateur. Voilà, il y a une fonction de sauvegarde automatique. Bah, écoutez, on va se laisser là-dessus. Donc, j'étais très content de vous présenter un classique, même si cette vidéo, elle sert un peu à rien. Hein. C'est pas vraiment un test. Hein, parce que, je vous dis, qu'est-ce que vous voulez que je vous teste Tetris? Y a rien à dire. Bah, j'ai dit beaucoup de choses, mais c'est un must et c'est tout. Moi, j'adore ce jeu, et particulièrement cette version Game Boy. Alors, si vous pouvez y jouer sur la Game Boy originale, sur le Game Boy original, c'est mieux. Après, je conçois que ça puisse faire mal aux yeux. Surtout pour les joueurs, les rétro-testeurs comme nous, trentenaires, qui commencent à avoir des petits problèmes de vue, évidemment, ça pique un petit peu les yeux. Donc, vous pouvez y jouer aussi sur NES. La version NES est un petit peu plus agréable, même si des fois il y a certains niveaux, je pense au niveau, je crois que c'est le niveau 5 qui est tout vert, un petit peu bizarre, font assez mal aux yeux. Puis sinon, bah, des Tetris, il y en a à peu près sur toutes les plateformes. Allez-y, faites-vous plaisir, peu importe la version, jouez à Tetris. C'était Doc McCoy, salut.